coup, t'as anticipé ma blague. J'allais faire. Bon, alors, ce soir, je vais jouer avec une vaginette. Bon, maintenant, j'ai été pris shot. Bah, du coup, je sais pas ce que vous voulez. Attends, je vais répondre à petit Adri. Je reste. Je préfère interagir parce que le but de la live c'est d'interagir, sinon tu regardes une vidéo, tu vois. Parce que si tu viens juste pour écouter, bah déjà le son il est un peu détérioré à cause de Discord, et puis il y a les vidéos qui sont 10 fois mieux, tu vois. Sur mon téléphone avec les doigts. Ah, yeah. Je sais pas si ça est ASMR ça. Bah, je pense que c'est bien quand c'est mesuré, on va dire, mais là en freestyle c'est pas ouf, je pense. Du coup, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que j'ai à portée de main? J'ai des gants, si jamais je peux essayer de faire un truc avec les gants. Je pense pas que ça s'entende très bien avec Discord, mais on va essayer, on sait jamais. Que ça fasse peur ou pas, on s'en fout, c'est juste un support en fait pour lire un truc. Du coup, je sais pas si vous avez des noms de trucs dans le genre. Je sais pas. Un truc pas trop long de préférence, genre pas 45 minutes quoi, enfin pas une heure. Genre, je sais pas s'il y a des. Je sais pas, histoire ou alors des threads. Histoire effrayante. Halloween.
ma vie. C'était 1 mégaseconde. Non, 2,3. C'était mon top. La vitesse d'écriture de ton disque aussi qui rentre en jeu, genre si t'as une bonne connexion mais t'as un disque de merde, ben il a pas le temps d'écrire quoi en gros. Donc bon. En vrai je sais même pas où est-ce que ça peut se voir la vitesse d'écriture de CPL. C'est quoi le CPL? J'ai vu à peu près ce que c'est quoi. Je vais essayer d'aller voir la référence de mon disque dur dans le gestionnaire de périphériques. Mais rien que déjà une connexion stable à minimum 3 mégasecondes, ça me suffit déjà largement. C'est le jackpot. D'abord, la vitesse de rotation du disque dur, c'est 5400 tours par minute, ça m'indique rien du tout, ok, c'est cool.
Amazon qui fait une gaming week du 24 octobre au 2 novembre. Découvrez notre sélection et nos promotions gaming. Car moi je suis un vrai gamer. Je joue à Fortnite et je suis un gamer. Alors selon Amazon mon disque dur, son taux de transfert de données c'est 375 mégas par seconde. Au pire je verrai bien. Osef. Sans gamer. Il y a moins 20% pour Logitech. Ouais, trop bien. Incroyable. Alors, bref, top 5 des histoires effrayantes. C'est parti. J'ai tendance à digresser à chaque fois, je dérive sur d'autres sujets, du coup je me focalise jamais sur ce qu'il faut faire quand il faut faire un truc. Et bien il y a plein de trucs à côté qui m'incitent à faire autre chose, par exemple la vaisselle ou d'autres trucs. Ça fait une semaine que j'ai mon évier qui est rempli. Il faut que je fasse la vaisselle. Donc je pense que je vais le faire après le live. Je vais le laver. Enfin, je vais faire la vaisselle. Mais le truc, c'est que comme je fais des pancakes, bah du coup, il y a plein de vaisselle qui prend beaucoup de place. Genre, le saladier, il prend la moitié du volume. Déjà, donc bon. Il y a saladier. Spatule, des trucs à la con comme ça quoi, des tasses. Il y a beaucoup de tasses et beaucoup de petites cuillères aussi. Alors, l'introduction de l'article de Topito, c'est: il y aura toujours quelqu'un pour vous raconter comment des seringues aussi dingues ont été retrouvées dans son ciné. Ou pourquoi des migales sont planquées dans le tronc de votre ficus. Mais quand il s'agit des légendes urbaines qui font vraiment flipper, là, il y a moins de monde. Les histoires que vous allez lire ici sont peut-être fausses, peut-être pas. Et vous ont été racontées par un copain parce que c'est arrivé à la copine de sa cousine. Source sûre. Ce qui est sûr, c'est que vous pourrez sans problème les raconter autour d'un feu ou à la lumière d'une lampe torche pour faire flipper vos amis. Et vous aussi un peu. Ouais mais Mew, c'est trop facile. C'est trop facile de laver quand j'ai fini. C'est pas marrant, tu vois.
Bon, là, je ne regarde plus le chat. Je lis les histoires. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée au cœur des champs de maïs. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. En se recouchant, elle glisse sa main dans sa grosse chatte. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. Mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Le chien la lèche de nouveau. Le bruit est toujours là et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent lécher. C'est tout. C'est un peu de la merde. Je pense que j'ai pas compris. Mais je pense qu'il n'y a rien à comprendre en fait. C'est quoi cette histoire de merde en fait? Enfin, soit je suis débile, soit je sais pas. Mais en fait, si quelqu'un peut m'expliquer l'intérêt, est-ce qu'il est censé faire peur? Certains. Un chien égorgé, suspendu, etc. Ça fait flipper. Mais alors comment c'est amené? Enfin, je comprends pas la logique en fait. Déjà pourquoi quand elle ferme le lavabo, enfin quand elle ferme le robinet, après le chien il lèche et il y a le bruit qui revient. Enfin, je comprends pas la logique. Si quelqu'un peut me faire une rédaction, thèse, antithèse, synthèse, prothèse, j'aimerais bien. Mais là, j'ai pas compris. C'est la deuxième histoire. Lyon, France, 1994. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuent, frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police, vite !» N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là.
L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Mais du coup, le mec qui est rentré dans la voiture, il aurait pu la tuer au volant en fait. Enfin, genre, pourquoi il a attendu si longtemps? C'est un peu nul, on est d'accord. C'est des histoires écrites par j'ai pas envie de dire de conneries. Genre, on dirait des histoires écrites par des Melvin, 12 ans, émo, qui se teint les cheveux en bleu et qui se coupe les veines tous les soirs. Enfin, genre, c'est de la merde, tu vois. C'est mort, les émo. Mais non, c'est pas mort. J'en vois encore. Ou alors c'est des LGBT qui ont les cheveux bleus. Je sais pas. Mais c'est la même merde. À 16 ans et se rend à un babysitting. Elle doit ce soir garder les trois enfants d'un jeune couple, absent pour la soirée. Quand elle arrive, il l'informe que les enfants sont déjà couchés et qu'ils ne rentreront pas tard. Hélène s'installe dans le canapé de la grande demeure et ouvre un livre. Le téléphone sonne, mais quand elle décroche, personne ne parle à l'autre bout de la ligne. Quelques minutes après, le téléphone sonne de nouveau. Et cette fois, une voix glaçante lui répond. Es-tu allé voir les enfants? Puis, plus rien. Pensant qu'il s'agissait du père qui l'appelait pour savoir si tout se passait bien, elle se dit qu'il a été coupé et qu'il va rappeler. En effet, quelques minutes après, le téléphone retentit. Es-tu allé voir les enfants? Répète la voix. Monsieur Stuart? Demande-t-elle, inquiète. Mais personne ne répond. Elle décide d'appeler le restaurant où dînent ses employeurs, mais on l'informe qu'ils en sont partis. Depuis 10 minutes. Elle contacte ensuite la police, mais ces derniers lui affirment ne rien pouvoir faire contre les canulars téléphoniques. À peine a-t-elle raccroché que de nouveau, l'inconnu l'appelle. Pourquoi n'es-tu pas allé voir les enfants? Effrayée. Elle contacte de nouveau la police, leur assurant que cet inconnu est là, tout près, qu'elle le sent. L'agent à l'autre bout de la ligne décide de prendre son numéro et la rassure. La prochaine fois qu'il vous les appelle, nous tracerons l'origine d'un coup de fil. D'accord, Hélène? Restez calme surtout. Hélène est dans le salon et s'enferme dans la cuisine, le téléphone près d'elle. Il sonne et cette fois elle décroche tout de suite. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Pourquoi as-tu éteint les lumières? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me voulez? Je te vois, tu sais. Ok, très bien. Vous m'avez fait peur, c'est réussi, vous êtes content. C'est ce que vous vouliez? Non. Ce que je veux, c'est me baigner dans ton sang. Hélène raccroche brusquement, terrifiée. Mais la sonnerie retentit de nouveau. Laissez-moi. Antisémite, hurle-t-elle dans le combiné. Hélène, c'est moi. Nous avons tracé l'appel. Il faut que tu sortes tout de suite. L'appel vient d'une des pièces de la maison. Sors immédiatement. Elle se rue vers la porte et commence.
commence à la déverrouiller en tremblant. Elle panique, fait tomber la clé, la ramasse, puis se relève. Elle entend un bruit dans son dos et voit alors une porte s'ouvrir en des escaliers. Un halo de lumière sort de la chambre des enfants et elle distingue très nettement la silhouette d'un homme, debout, tourné vers elle. Elle parvient finalement à ouvrir la porte et se jette dehors, tombant nez à nez avec plusieurs policiers sur le palier, arme à la main. Immédiatement prise en charge par les secours, elle a juste le temps de se retourner et d'apercevoir le tueur, mais ne tait pas les policiers. L'homme est recouvert de sang, celui des trois enfants de la famille Stuart. Stuart Little. Bon, c'est un peu de la merde. En fait, je suis un peu dépité en lisant ce si bas niveau d'écriture et de chute et de... Je vais continuer sur ma lancée et je vais terminer. Il en reste deux. Parce qu'en fait, ça me fait tellement de la peine, tellement c'est mal écrit en fait. Genre, c'est un peu pitoyable. Mais bon. Du coup. J'ai envie de péter. Je vais vérifier si c'est pas un article du 1er avril parce que là, non, même pas, c'est le 26 juillet. Bon. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami, d'un des rédacteurs des Topito qui a préféré rester anonyme. Nous sommes en 97. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles le raconte. Alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Mary se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver. Jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elle s'enferme alors dans la salle de bain et répète devant un miroir « Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary ». Soudain, un des amis d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue court de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette soirée. Waouh. J'espère que vous avez adoré mon accent anglais sur le Mary Worth.
histoire. Ah mais je suis débile. Depuis tout à l'heure je fais que chuchoter alors que j'aurais pu faire un petit trigger à côté. Je suis autiste. Je sais pas ce que vous en pensez. Faire des ravales dans des commentaires de vidéos YouTube. On sort des vidéos YouTube où vous écrivez ce que j'ai écrit. Et vous allez avoir une pluie de débiles qui savent pas lire. Cette séance avec la dernière histoire. Par contre, je vais essayer d'arrêter de bégayer. Alors. Le crochet. Ah merde, Massachusetts, 1973. Ce soir, Thomas D. a un rendez-vous galant. Et il sait exactement où conduire Mélanie. Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher ses dulcinées en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'eau de radio. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres. Le présentateur en donne une description un peu floue, mais précise toutefois que cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. Effrayée, Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a peur de rien. Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branche le fait sursauter. Mélanie fait de suite comprendre à son déité que cette fois, il est temps de rentrer. À contre-cœur, il range sa bite et fait marche arrière. Et il se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé de l'homme devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à hurler de manière incontrôlable. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qu'il avait dans cet état.
voiture, un crochet sanglant se balance doucement. Qu'il est devenu taré parce que à cause du crochet au bras droit, il pouvait pas trop se branler parce que s'il est droitier, parce qu'en étant droitier, se masturber de la main gauche c'est plutôt peu efficace. Enfin, c'est un ami qui m'a dit ça. On m'a dit que enfin, moi j'ai rien fait de tout ça. Moi je suis vierge. Moi j'ai rien fait. J'ai jamais essayé, moi je trouve ça crade, je trouve ça sale. Donc apparemment c'est pas pratique de la main gauche. T'as un crochet, un onahol. Je sais pas c'est quoi un onahol, mais j'imagine ce que c'est. Mais non mais la vaginette c'est pour l'ASMR. Et c'est pour le putaclic. Mettre à moins 18 sur la miniature. La vaginette a fait 4000 vues, donc respecte un peu. Ouais, j'avais deviné, c'était quoi un onahol, mais je connaissais pas le. Je vais check un peu sur Google. Déjà, il y a le mot hole qui veut dire trou en anglais. Ah, je suis bilingue. Ah, c'est un truc. Ah, bah, c'est ce que j'ai en fait. Hole, c'est un peu une forme. Non, c'est. Bon, si on peut dire. Bah, c'est une vaginette en fait. C'est un peu ce que j'ai, ouais. C'est ce que j'ai, quoi. C'est une pocket pussy quoi, une vaginette. En gros. Ouais, j'en ai une de onahol, comme on dit. Comme disent les hispaniques. Alors, selon la traduction, c'est A Japanese Male Masturbation Silicone Vagina Pussy. Donc ouais, en gros, c'est une vaginette japonaise quoi, en gros. Ah, parce que je suis bilingue. T'as le pire running gag. Tu ban. Oh là là là. Du coup. Dis donc. Il fait froid ici. Attendez, j'ai en train de. Réfléchir à ce que j'ai à faire. J'ai une machine de linge à faire tourner. Je la vaisselle. La flemme, mais bon. T'as le brosse à cuisine. Mais oui, regarde ton chat, oh là là. Le brosse à cuisine. Brosse à cuisine. Je check sur Google, c'est quoi le brosse à cuisine? C'est quoi du bourse en cuisine de Caro et Safia. Ouais, c'est du boursin quoi en fait. Pourquoi le terme cuisine ajouté après? C'est juste du boursin. Enfin, un parquet dans un pot comme. Enfin, il est dans un pot. Non, mais c'est juste du boursin en fait.
pourquoi le terme cuisine? Pour moi, c'est quoi la différence entre du boursin cuisine et le... Après, peut-être que le boursin, c'est la marque globale. Avec du pain. Ouais, c'est un peu comme de la crème, on va dire. Ah, ok, je connaissais pas. My bad. Pour moi, le boursin, c'est juste le fromage. Ça, c'est ultra bon avec une biscotte ou alors du pain baguette frais. Ça donne trop envie. Oh, bâtard. Alors là, je plaisante pas. J'ai une augmentation de salive. Enfin, la génération de salive dans ma bouche a été augmentée. Mais c'est pas une blague. Genre vraiment, j'ai faim. Tu m'as donné faim. C'est incroyable. C'est fou la vie. C'est incroyable. Genre, il y a 2000 ans, ça se donnait des coups de caillou. Et là maintenant, il y a un vieux pécore en robe de chambre qui salive en pensant à du boursin fromage, enfin du boursin cuisine. Incroyable l'évolution. Ce soir, je vais faire une partie, je vais remplir mon écoutoir. Voilà, c'est fou, hein, ma vie. Ah, c'est ça la vie d'artiste. Est-ce que vous savez quand on se dédie en vie d'artiste pour. Ouais, vous avez compris ma phrase, j'ai la flemme de finir. Non, mais les dabs, j'en fais tous les jours. J'ai même ce que j'appelle. Un dab signature, genre c'est un peu un dab personnalisé et exclusif, c'est le mien. J'appelle ça le. Je vais pas donner de nom, c'est le dab mitraillette. Ou alors le dab en rafale. Genre je fais un dab normal, et après je fais un dab de l'autre bras, et je fais ça, j'alterne en fait. Je fais dab droit, dab gauche, dab droit, dab gauche, dab droit, dab gauche. Je fais ça sur 5 minutes. Je fais. Série de 20 répètes. ASMR vaisselle, ça peut être cool. Mais moi je suis un bourrin quand je fais la vaisselle. Genre je fais tomber les tasses et tout. Donc c'est pas ouf. Les ma pas le YouTube.
max de thunes, car je suis juif et j'aime l'argent. Si vous me donnez pas d'argent, vous êtes tous antisémites. Je vais porter plainte. Antisémites. Là, je fais pas un appel au don. Je dis juste que vous pouvez, par exemple, aller sur Amazon, m'acheter Nintendo Switch, par exemple. C'est pas un appel au don, tu vois. Je trouve ça un petit truc sympathique. Par exemple, c'est une banalité. T'as compris vite. Et c'est avec un C. Enfin, peut-être que dans d'autres langues ça s'écrit avec un K. Mais sinon c'est un C. Peut-être que dans une autre langue ça s'écrit avec un K, j'en sais rien. Non, je crois que c'est mal écrit en fait. Je vais vous laisser, j'ai une vaisselle, la vaisselle à faire. Attends, je vais traduire ce que t'as écrit en arabe. Si c'est bien de l'arabe. Ah, c'est Al. Je pense. Parce que j'ai fait arabe LV4.